tous, on est le 1er décembre et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier vlogmas. Il est actuellement 6h20 et je vais sortir mes chiens. C'est la tête du matin les gars. On va décompresser la neige. Rien du tout. C'est trop triste, il n'y a pas de neige. Tant pis. Je vais sortir les chiens et on se retrouve un peu plus tard. Bon, ben il est 7h15, je suis rentrée, je vais déjeuner, je vais me préparer et d'ici une demi-heure, il faut que je décolle. J'ai mis mon deuxième cours L2 aujourd'hui, le L2 pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Suisse, quand vous faites votre permis, vous avez 3 ans de permis probatoire. Et pour pouvoir valider ces 3 ans, vous devez faire ce cours sur 2 jours. Qui est en fait de l'appréhension. Vous faites beaucoup de freinage urgence. Vous roulez sur du verglas, enfin sur un sol qui met en condition comme si c'était du verglas. Il fait du bruit dans le bois, mon petit chat. Vous faites aussi des exercices où vous mettez des lunettes, ça vous met plus ou moins en condition si vous avez pris de la drogue, de l'alcool, des choses comme ça, enfin bref, c'est assez intéressant. Et le deuxième jour, je crois qu'on fait de la conduite écologique, enfin bref, et c'est des cours obligatoires pour pouvoir valider son permis, et moi j'ai bien sûr attendu le dernier moment pour le faire, et donc je vais me préparer pour partir à ces cours. On se retrouve un peu plus tard. Faudrait vraiment qu'on m'explique un jour comment on fait pour être bien dans les temps. Puis paf, en 5 minutes on est dans la merde, on est en retard quoi. Je sais pas, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Enfin, puis t'as l'impression qu'en plus tout est lent dans ces moments là. Y a rien qui va, voilà. Donc voilà. Je vous retrouve maintenant, il est 7h20 passé, je dois aller poser les chiens chez la grand-maman à mon amoureux et ensuite on va décoller. Donc là voilà, aujourd'hui j'ai mes cours L2 de 8h à 17h et puis en rentrant ce soir j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que j'aille faire 2-3 petites courses. Il faudrait que je passe également dans un kiosque qui est un relais colis pour poser un colis. Merci Sandrine. J'ai oublié un truc en plus. Oh mais super, on adore. Bon, je ne passerai pas la poste, voilà, je viens de me rendre compte. Je dois aller dans un kiosque pour amener un colis La Redoute. En fait, c'est un kiosque qui fait relais colis. Vous pouvez très bien renvoyer depuis la poste, mais depuis la poste, vous allez avoir des frais. Alors que là, depuis le relais colis, il n'y a pas de frais, donc on va quand même aller depuis le relais colis, hein, voilà. Ensuite, il faudrait que j'aille acheter du papier cadeau, des cadres. Je vais passer à la poste, j'ai oublié l'enveloppe que je vais prendre pour aller à la poste, donc on adore, c'est génial. Et voilà, et quand on rentre ce soir, je pense pas que j'aurai l'occasion de vous reprendre dans la journée. Bon déjà parce que on sera à des cours, donc il faudra conduire. Et ensuite parce que à midi je mange avec des gens et je n'ai pas forcément envie de prendre la caméra, etc. C'est impoli, je ne vous regarde pas dans les yeux, mais excusez-moi, hein, je regarde la route. On se croisera le matin et puis on se verra le soir pour ouvrir le calendrier de l'Avent.
dire un petit mot à midi. Ça s'arrête là et le dimanche en général on profite de le passer ensemble avec mon chéri. Donc à part aller promener les chiens, ou sauf si on a quelque chose de spécial, mais bon, voilà. À part aller promener les chiens et ouvrir les calendriers de l'avant, il se passera pas non plus énormément de choses. Il y a un petit quart d'heure, je me suis arrêtée au magasin pour faire 2-3 courses. Comme je vous le disais ce matin, je dois passer aussi au Swisscom Shop parce que j'ai un souci avec mon téléphone. J'espère qu'ils pourront me régler ce problème. Et on se retrouve après pour ouvrir les calendriers de l'avant et peut-être que je vous reprendrai un petit peu avant ça. On verra. À toutes. Là, les gars, j'étais choquée. J'ai été chez Swisscom pour... J'ai un problème de boîte mail en fait, je peux plus envoyer de mail avec mon mail en fait. Et le type il me dit oui alors écoutez nous on peut le faire mais par contre ça sera 40 francs. Ouais alors il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas de payer un service. Mais bon déjà avant on allait chez Swisscom, faire une connerie comme ça c'était gratuit. Et puis même 40 balles pour ça, il me dit mais par contre normalement sur internet vous devez. Et j'ai regardé, j'ai dit pardon, et puis il me dit oui, j'ai dit alors je vais essayer de trouver quelqu'un qui sait me le faire. Il me fait oui, ou alors si vous allez sur internet, vous mettez solution, je sais pas trop quoi, bref, vous devriez trouver, ça doit être expliqué. J'ai dit ouais, je vais faire ça. J'ai dit ma foi, si je trouve personne, je reviendrai vers vous, mais dernier recours. Il fait ouais, non, mais je comprends bien. Je fais ouais, j'espère bien. Bref, sinon j'ai acheté ce que j'avais acheté. Du papier cadeau, des cadres pour les cadeaux de Noël, des choses comme ça. Donc je vais rentrer dans ma maison, hein, voilà. Et puis on se retrouve dans pas très long. Voilà.
tout le monde, j'allume un peu la lumière parce que vous ne me voyez pas. Mieux. Oh, je dis ça, je vais à l'ombre. Très intelligent les gars. On se retrouve maintenant pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Comme vous avez pu le voir précédemment, j'ai passé un petit peu de temps à emballer les cadeaux, commencer à emballer certains cadeaux. Donc maintenant on va ouvrir les petits calendriers de l'Avent et on va commencer par le Durance. Il est super beau. J'avais vachement envie de le prendre. Donc voilà. Alors oui, je suis à la cuisine. Enfin, au salon à manger cuisine. J'aurais pas encore trouvé. Oh. J'avais pas encore trouvé de place à titrer à ces petits calendriers de l'Avent. Et en numéro 1, c'est un petit accessoire qui se présente comme ceci. L'accessoire, ils sont bons, c'est jamais assez abusé. L'accessoire, ils sont super bons. Attendez, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Ah, voilà. Je suis pas à moitié tapis dans l'ombre. C'est un petit photophore où vous pouvez mettre une photophore. Je sais pas si ça peut être comme ça réellement. Une petite bougie chauffe-plat. Donc voilà. Écoutez, moi je trouve que pour un premier jour, c'est vachement sympa. Voilà. Donc le Durance, on continuera demain. Ensuite, le Sephora. Alors le Sephora, je le trouve genre juste sublime quoi. Vraiment. Il est super beau. Et on va y arriver ou pas? J'ai à moitié tout cassé le truc. C'est pas grave. Et c'est un... Vous me voyez très proche. Hein. J'espère que vous m'aimez bien parce que sinon... Sinon vous allez être servi. C'est un crayon pour les yeux. Eye Pencil to go. En noir. C'est parfait. C'est le genre de choses qu'on a toujours besoin. Ma foi, il m'a l'air bien noir. Il m'a l'air suffisamment gras. Pas trop non plus. Écoutez, on essayera. Mais pour un premier jour, je suis très contente. Donc maintenant, je vais m'atteler au souper qui vont être des burgers. Donc rien de bien, bien fou. Hein, voilà. Et sinon, on se retrouve tout à l'heure juste pour vous faire un petit bisou pour vous dire au revoir. A plus tard. Ouais. On se retrouve bien plus tard. Il est 9h. 9h moins 3. Je vous prends maintenant. Je vais juste mettre ma crème pour l'acné. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc ça n'aura pas été un vlog hyper palpitant. D'ailleurs, vous m'en excuserez. C'est la première fois que... Que je fais des vlogs en réalité, donc forcément je m'initie à la chose, c'est pas forcément très évident pour moi. Je pense que d'ici fin décembre ça ira un peu mieux, enfin j'espère tout du moins. Donc voilà, donc ce matin je vous disais que je pensais que le week-end j'allais certainement combiner samedi dimanche et ouais, tout bien réfléchi, je pense que je vais faire comme ça. Sauf si voilà, maintenant on a un truc hyper intéressant, ce qui m'étonne. Non, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Parce que voilà, j'ai pas une vie hyper excitante, on va dire. Et des jours comme aujourd'hui, ben voilà, j'ai pas grand chose à vivre, j'ai pas énormément de choses à faire. Donc encore la semaine ça va parce que je bouge pas mal etc, mais c'est vrai que le week-end bah, c'est un peu comme tout le monde, je reste plutôt tranquille. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce premier vlogmas vous aura malgré tout plu, même si c'était pas fou. Je vais vous laisser à, je vais vous laisser à présent, je vais tout simplement aller monter cette vidéo et aller me coucher parce que demain je travaille et que je suis mais éclatée. En ce moment je sais pas ce qu'il y a mais je suis morte, je pourrais dormir tout le temps. Donc je vous fais de très gros bisous et du coup je vous dis à dimanche. Ciao ciao.